Mesdames et messieurs, honorables personnalités, nous voulons avant tout vous dire bonsoir et vous remercier de votre présence dans ces moments de douleur, dans ces moments où la famille, les amis ont besoin de se sentir consolés, de se sentir assistés. Nous voudrons encore une fois vous dire merci de votre présence. Alors nous allons, sans plus tarder, pouvoir démarrer cette cérémonie de présentation de condoléances pour les obsèques de notre très cher, regretté président Marcel Zadi Kessy. Au titre des délégations, pour la première délégation que nous allons donc recevoir, nous avons le groupe Eranov. La première délégation donc de Eranov qui est composée du conseil de direction, c'est cela. Alors nous allons recevoir les instructions du chef de protocole. Monsieur Manglé, s'il vous plaît. Oui, nous faisons donc venir maintenant le directeur général de CIE, Monsieur Bakayoko Amidou, chef de délégation, ainsi que tous les autres membres de sa délégation pour la présentation officielle des condoléances. Alors, aux membres des différentes délégations qui viennent pour soutenir la famille ce soir, avec la contribution du service accueil et protocole, vous serez conduits à la chapelle ardente devant laquelle vous devriez vous incliner. Après quoi, les salutations d'usage à la famille seront effectuées. Puis le protocole se chargera de vous installer pour la demande des nouvelles. Alors la délégation Eranov, comité de direction d'Eranov est installé. Pouvoir effectivement démarrer donc cette cérémonie de présentation de condoléances.
Monsieur le directeur général, monsieur le porteur de la délégation, la famille me charge de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Et m'envoie vers vous par la même occasion pour demander les nouvelles qui vous amènent ce soir vers nous. Monsieur Lagou. Allô. Bonsoir, je suis Lago Sosten, secrétaire général de la CIE et porte-parole de cette délégation du groupe Uranov en Côte d'Ivoire. Je cite la CIE, la SODECI, CIPREL, GS2E, Awale, Smart Energy. Vous devez certainement le savoir. Ces sociétés ont consulté l'environnement professionnel du président Zadi, qui, dans les dernières années de sa vie professionnelle, a eu à diriger la plupart de ces sociétés-là, en tant que PDG, en tant qu'administrateur et tout. Donc c'est pour vous dire que ce deuil qui nous frappe depuis l'annonce du rappel à Dieu du président Zadi, le 13 octobre 2020. Donc nous sommes venus ce soir, une fois de plus, pour présenter nos sincères condoléances à la famille, exprimer notre compassion et leur dire que nous sommes venus prendre notre part de deuil ce jour. Et nous serons avec eux jusqu'au dimanche 31 janvier 2021. Merci bien, Monsieur Lago. La famille me charge de vous dire qu'elle a pris bonne note de ce que vous venez de dire et se réjouit ce soir de votre présence. En effet, vous, comme vous le savez, depuis le 13 octobre, date à laquelle a soufflé un vent de mauvais augure qui a, dans nos rangs, arraché notre papa, notre père, notre époux, le patriarche Marcel Zadi Kessy. Et vous avez fait montre de compassion et de solidarité. C'est pour ça que les familles Zadi, Sila et Kla voudraient, par ma voix, vous traduire l'expression de leur profonde gratitude, M. Lago. Vous savez, pendant ce deuil, vos soutiens matériels, votre présence permanente à nos côtés, vos prières nous ont été d'un réconfort immémorable, d'un très grand réconfort. C'est pour ça que les familles, comme je viens de les citer, dans cette douloureuse épreuve qu'elle traverse, vous reconnaissez ce que vous lui avez apporté comme compassion et vous dit merci également de votre arrivée. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous rendre au centuple tous vos bienfaits. Merci. Dans mon intervention tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que cette délégation est conduite par deux directeurs généraux. Directeur général CIE SODECI et Mme Diallo Kadidiatou, directeur général de la CIPREL. Madame le directeur général, monsieur le directeur général, soyez les bienvenus. Merci, nous prenons également bonne note de cet ajout sur vos informations que vous soyez encore remerciés.
Ok, en fait, vous êtes en tour. Nous sommes dans notre part de deuil. Donc, nous sommes avec la famille et nous serons avec la famille jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, pour ce jour, c'est de bouder un peu les jambes. Hein, on sera de côté de la clôture. Donc, si vous ne voyez pas, c'est que nous sommes tout juste à côté. Merci bien, Monsieur Lago. Vous êtes toujours avec nous. Merci aussi à Madame le Directeur Général. Et les présentations de condoléances du Conseil économique, social, environnemental et culturel, on me fait savoir que nous aurons des présentations en passage individuel. Nous demandons donc au protocole, à l'accueil au protocole, de prendre les dispositions afin que nous puissions procéder aux présentations de condoléances pour les personnes individuelles. Pour ce soir, première journée des présentations de condoléances, nous recevions à l'instant la délégation du comité de direction du groupe Eranov. Après les présentations individuelles, nous aurons la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Après quoi, nous aurons la délégation de la CGCI. La CGCI sera suivie de la 16e promotion du lycée scientifique de Yamsokro, dont le président Marcel Zadikessi était le parrain. Après le lycée scientifique, nous aurons Madame la ministre de la Culture, qui sera suivie de la délégation de la mairie de Cocody, avec à sa tête Monsieur le maire Jean-Marc Yassé. Nous aurons également ce soir une délégation de Côte d'Ivoire Énergie. Il faut également savoir que le groupe Eranov reviendra avec une autre délégation qui est celle du comité des associations et syndicats. Mais pour l'heure, nous recevons toutes les personnes qui ont connu, côtoyé, qui ont travaillé ou non avec Monsieur Marcel Zadikessi et qui ont tenu à apporter, à exprimer leur compassion à la famille. Nous demandons aux musiciens de bien vouloir, s'il vous plaît, passer la musique pendant que les présentations individuelles se déroulent. Nous voudrions porter à la connaissance de toutes les personnes et de toutes les délégations qui ce soir viennent exprimer leur compassion à la famille de le président Marcel Zadikessi, que nous mettons à disposition un cahier de condoléances à la sortie pour que toutes ces personnes-là puissent exprimer sur papier leur compassion. À présent, la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, avec à sa tête le conseiller Oga Léon. Tu comblerais, il n'a pas dit que
tu sembles inattendu, la longue longue bande. La délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel est composée de conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, mais également de l'administration avec le secrétariat général, ainsi que les conseillers techniques. Messieurs les conseillers, bonsoir et soyez les bienvenus chez vous. Je me présente, je suis Monsieur Beauté Dagou Albert, je suis le porte-parole des familles Zadi, Sila et Kla. Je me mets à votre disposition et je voudrais bien savoir également le porte-parole de votre délégation afin d'échanger avec lui. Merci Monsieur Beauté. Je suis Monsieur Kouablan François, le porte-parole de la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Merci bien, M. Kablan. Alors, la famille me charge de vous dire qu'elle est heureuse de vous recevoir et me demande par la même occasion de me tourner vers vous pour recueillir les nouvelles qui vous amènent ce soir avec parmi nous. Monsieur Beauté, la nouvelle n'est pas bonne. Le 13 octobre dernier, le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est réveillé avec la triste nouvelle. Pour une fois encore, le Conseil économique et social venait de perdre un de ses dignes représentants, le président Zadi Kessé. Les membres du Conseil ont été informés par notre administration et nous attendions que la famille nous donne les dates. Et dans le courant de la journée d'hier, nous avons été informés que, à compter d'aujourd'hui, commencent les visites. Une telle nouvelle qui nous est parvenu à un moment où nous étions encore en train de pleurer notre juriste disparu, le président Kofi Dibi, le Conseil économique ne pouvait pas rester silencieux sans venir aux premières heures des visites, non seulement pour s'enquérir des nouvelles et avoir la confirmation, mais aussi présenter les condoléances à la famille et aux amis de notre président Zadi Kessé. Donc le président, le secrétariat général du Conseil a informé les conseillers que nous sommes et ce soir nous sommes réunis et nous venons auprès de la famille pour non seulement présenter nos condoléances mais prendre notre place dans l'organisation des obsèques de notre illustre disparu. Encore une fois, au nom de notre délégation, nous voulons dire Yako à la famille. Nous voulons dire que nous sommes disponibles pour prendre notre part à toute l'organisation des obsèques de notre illustre disparu.
Donc voilà les nouvelles qui nous amènent vers vous ce soir pour prendre la place qui nous revient. Je vous remercie. Merci aussi à vous, Monsieur Coablan. La famille me charge de vous dire qu'elle est heureuse de vous recevoir. Comme vous l'avez si bien dit, la nouvelle est triste malheureusement, et même très triste. Et vous êtes venu prendre part à nos condoléances, vous êtes venu prendre votre partie de condoléances. Cela nous réjouit énormément. Et comme vous le savez, vous l'avez dit aussi, depuis le 13 octobre, notre papa, notre époux, notre frère, notre oncle, notre beau-père, notre patriarche en un mot, a été rappelé à Dieu. Mais depuis ce moment-là, vous n'avez eu de cesse de nous apporter des messages de solidarité et de compassion. C'est pour ça que la famille Zadi, la famille Sila, la famille Kla, voudrait par ma modeste voix vous traduire l'expression de leur profonde gratitude. Vous savez, vos gestes, vos paroles, vos soutiens matériels et même votre présence permanente à nos côtés nous ont été d'un très grand réconfort en cette période douloureuse. Soyez-en remerciés et pour notre part, nous ne pouvons que prier le Très-Haut pour qu'il vous rende ce geste solidaire au centuple, pour qu'il vous le rende en des milliers de grâces. Merci encore, M. Pablan, d'être venu partager notre deuil, d'être venu nous soutenir. Merci. Au nom donc de la délégation, nous voulons vous dire merci pour ces messages. Nous voulons dire également que ce qui arrive, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon intervention, le Conseil économique et social est plus qu'impliqué. Donc nous voulons dire que c'est la volonté de Dieu que la famille et nous, nos prières aillent ensemble afin que notre patriarche, notre président puisse trouver la place qu'il faut auprès de notre Seigneur. Yako à tout le monde, Yako à nous tous. Merci bien, M. Coablan. Yako aussi à vous qui perdez un de vos membres, j'allais dire, parce que c'était une famille. Merci. Et nous prenons bonne note de votre disponibilité à nous accompagner dans notre deuil. Merci encore, M. Coablan.
Monsieur Beauté. Monsieur Cablan. Je voudrais reprendre la parole pour dire que nous sommes venus, nous avons vu et nous avons appris également la liste de ceux qui doivent passer saluer la famille, elle est longue. Nous avons annoncé que nous prenons notre part dans le deuil. Donc, si vous permettez, nous allons fondre dans la famille pour le comité d'organisation et accueillir les autres qui vont venir. Donc, permettez que nos délégations, nous puissions nous retirer de la place officielle que vous nous avez donnée pour qu'on puisse accueillir les autres visiteurs. Merci encore, M. Coblan. Merci d'être venu. Avant de vous laisser partir, je voudrais rappeler que le programme prévoit que le jeudi 28 auront lieu les hommages institutionnels. Et à cet effet, il y aura un passage au Conseil économique et social pour l'hommage que vous avez bien voulu rendre à notre illustre disparu. Et donc, on avait bien voulu encore vous garder, mais comme vous l'avez si bien dit, les délégations sont nombreuses, mais on sait que vous ne partez pas aussi. Mais au cas où on ne vous voyait pas, sachez que vous rentrerez, par la grâce du Seigneur, tranquillement dans vos domiciles respectifs. Et comme on le dit chez nous, toutes les fois que vous entendrez le coq chanter pour annoncer le lever du jour, c'est encore nous, M. Coblan, qui vous disons merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Beauté. La délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La prochaine délégation, en attendant donc l'installation de la prochaine délégation qui est celle de la CGCI, nous allons demander au protocole. Nous allons demander au protocole donc de faire entrer des personnes pour les présentations individuelles. À la suite des présentations individuelles, nous aurons tout à l'heure la délégation de la CGCI dirigée par M. Jean-Marie Aka. Pour tout le déroulé de cette cérémonie, entre deux délégations, nous aurons donc, comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, des présentations individuelles de personnes qui, de près ou de loin, ont connu le président Marcel Zadi Kessi et qui ont tenu à exprimer leur compassion à la famille. Nous demandons donc au protocole de procéder à l'installation de la délégation de la CGCI dirigée par son président, M. Jean-Marie Aka. C'est bon.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus chez vous. J'ai cru entendre que le président, le porte-parole de la délégation, c'est M. Tizier. Je suis moi-même M. Beauté Dagou Albert, porte-parole des familles Zadi, Sila et Kla. Et ces familles-là me demandent de me rendre auprès de vous pour recueillir de vos nouvelles. M. Tizier. Merci, M. Beauté. Je suis effectivement Yorubi Tizier. Le président Jean-Marie Aka a bien voulu me désigner comme porte-parole. Nous venons dans une délégation composée de membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Monsieur Jean-Marie Aka voudrait que vous sachiez que le défunt est d'abord le défunt du secteur privé, le défunt du patronat. Nous n'apprenons rien à personne. La CGCI est une émanation du Conseil national du patronat ivoirien, dont découle donc la CGCI. Monsieur Jean-Marie Aka et tous les administrateurs de ce secteur-là, toute activité confondue, sont peinés. Ils sont peinés de la disparition de cet illustre fils, dit fils de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous savons que le président Zadi Kessy est du secteur économique, il est social, il est culturel, environnemental et on va même ajouter politique. Je l'ajoute parce que le président a donné son nom à toute une zone politique que nous connaissons. Donc c'est le cœur meurtri que nous venons ici. Le président Jean-Marie Aka dit clairement qu'il se tient avec son équipe aux côtés de la famille, non seulement à Abidjan, mais également dans le village où notre liste disparue devra reposer. Donc, c'est cela. Cette nouvelle est triste. Nous disons Yako à la famille biologique. Nous disons Yako à tous les secteurs privés ivoiriens qui perdent quelqu'un d'important. Voici les nouvelles qui nous amènent et nous restons à votre disposition pour la suite des événements. Merci. Merci, M. Tizier, pour ces nouvelles réconfortantes. Merci vraiment d'être venu partager notre deuil. Vous savez, une chose est déplorée, mais quand, pendant que vous pleurez, vous voyez autour de vous que vous êtes entouré aussi admirablement, comme vous êtes venu ce soir, vous ne pouvez qu'en être réconforté. En effet, depuis le rappel à Dieu de notre papa, de notre beau, de notre grand-père, de notre patriarche, vous avez toujours fait montre de solidarité et de compassion à l'endroit de nos familles. C'est pour ça que ces familles, la famille Zadi, la famille Sila et la famille Kla, voudraient, par ma modeste personne, vous traduire leur chaleureux remerciement en cette circonstance pénible qu'elle traverse. Soyez-en remerciés. Et pour notre part également, nous prions le Très-Haut pour qu'il vous rende tous vos gestes humilié, parce que vous ne pouvez pas vous en apercevoir, mais vos paroles attachantes et réconfortantes ont été d'un véritable soutien pour nos différentes familles. Nous les avons accueillis comme un motif, un réel motif d'espérance. C'est pour ça que je vous dis encore merci d'être venu nous soutenir. Merci, M. Tizier.
à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Que mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. Car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Le ciel, la lune, les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme. Et comme le pays était plein de belles images, nous allons déposer nos bagages dans une maison ici et nous resterons à vos côtés. Il est vrai que nous partons comme ça tout à l'heure. C'est clair que le président Jean-Marie a dit qu'il est toujours aux côtés de la famille biologique et aux côtés de la famille professionnelle. Le 28, lors de l'hommage qui aura lieu au Conseil économique et social, nous, CGSI, nous serons présents, bien entendu. Et le président Jean-Marie Aka, je veux dire au nom de la CGSI, que nous estimons les charges qui vont peser sur notre famille. Il a décidé avec le Conseil d'administration de mettre à la disposition de la famille une somme de 5 millions de francs. Et tout à l'heure, nous serons mis sans doute en contact avec la personne autorisée pour pouvoir faire ce don. Je vous remercie. Merci encore, M. Tizé. Je disais tantôt que votre arrivée ici était d'un réconfort mémorable pour nous. Et vous venez d'approuver ce que je disais tantôt à travers ce geste fort louable que vous venez de faire et pour lequel la famille vous dit infiniment merci. Vous êtes passé. Merci. Vraiment, seul Dieu vous le revaudra. Nos mots seront assez faibles pour vous dire merci, M. Tizier, ce soir, pour dire merci également au président. Seul Dieu vous le revaudra. Et comme vous l'avez tantôt dit également, au titre des hommages institutionnels, au titre des hommages professionnels, la CGCI devrait intervenir le 28 janvier, jeudi. Et donc, le programme est bien maintenu. Voilà, au siège de la CIE Sodeci. Voilà, qui compte également rendre un vibrant hommage à notre illustre disparu. Alors, je vais appeler maintenant M. Yaba. Tantôt, vous parlez de la personne indiquée. M. Yaba, s'il te plaît, si tu m'entends, tu es prié de venir à l'enceinte de la cour. Monsieur Beauté, c'est pas bien, on le verra tout à l'heure. D'accord, ok. Nous, merci. On voudrait, compte tenu du monde qui y afflue, demander simplement le. Soit que dans notre coutume à nous, c'est toute la route qu'on demande. Oui, demandez donc la route pour rentrer. D'accord. Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes de la même culture. Nous également, on donne toute la route. Et nous prions pour que le Seigneur également vous accompagne avec toute l'assurance, avec toute la sécurité qu'il faut auprès de vos familles respectives. Merci encore d'être passé. C'est Tizi.
tantôt, monsieur Tizier, on me rappelle à l'ordre, vous allez vous déposer vos bagages. Mais je vais vous dire, vous allez déposer et puis vous n'allez pas à la maison, c'est ce qu'on me fait dire. Donc, merci encore juste pour une charité. La délégation que nous venons de recevoir est celle de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son président, M. Jean-Marie Aga. Les présentations individuelles se poursuivent. La 16e promotion du lycée scientifique de Yamsoukro, dont M. Marcel Zadikessi a été le parrain, a tenu à effectuer le déplacement pour exprimer sa compassion à la famille éplorée. La délégation est conduite par Mme Conan. Il s'agit là de la suite des présentations individuelles. Le temps pour le service protocole d'installer, comme je le disais tantôt, la 16e promotion du lycée scientifique de Yamsoukro, dont le président Marcel Zadikessi était le parrain. Les filleules de M. Zadi n'étaient pas encore prêtes. Nous recevons toujours des présentations officielles de toutes ces personnes qui ont bien voulu ce soir nous témoigner leur soutien, témoigner leur compassion pour la disparition de Monsieur Marcel Zadi Kessi. Ah.
poursuivre les présentations individuelles. Nombreuses sont ces personnes qui ont connu, admiré, fréquenté le président Marcel Zadik ici, et qui ont estimé ne pas pouvoir rester en marge de ces cérémonies de présentation de condoléances. Nous allons donc continuer les présentations officielles et permettre à toutes ces personnes de présenter officiellement leurs condoléances et la famille éplorée. Individuelles se poursuivent. Le protocole. Non. Alors, nous voudrions annoncer que tout à l'heure, nous aurons la délégation de la mairie de Cocody. Le chef de la délégation la délégation de Cocody, de la mairie de Cocody n'est pas encore prête, alors nous allons recevoir une délégation de femmes, la délégation des Amazones, dirigée par Madame Lecrou. Oh,